Ça me fait mal de voir que tu es en train de renier tout ce que tu as écrit. Et tes 200 000 personnes là qui te suivent, t'en fais quoi? Tu les jettes? Carrément, j'ai lu tout ce que tu as écrit. J'ai tout lu. Il y a une logique. Ça nous parle, tu vois? Ça nous fait réfléchir. Quand on lisait tes tweets ou qu'on regardait tes vidéos, pareil. On savait pourquoi on avait la haine. En vrai, Arthur Rimbaud, c'est nous, t'as vu? Farid, Arthur Rimbaud, il n'existe pas, d'accord? Mon petit Karim. Ah putain, j'ai l'impression que ça a duré 3 heures, je te jure, j'en pouvais plus. Très vif, très pertinent. Sérieux? Ouais. Merci. C'est magique. Attends. Zineb, j'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je l'adore. Mais t'as vu que le hashtag Karim Débarquement, il est entré dans le top 5? J'ai vu. Et on se demandait, est-ce que tu comptes faire quelque chose pour le livre sur ta chaîne? Enfin, c'est pas forcément le même public, mais en même temps, c'est intéressant, non? Ouais, je sais pas. Bah, si. Amener un public jeune vers le livre, c'est intéressant. Ouais, mais faire de l'autopromo sur une chaîne qu'on a créée à la base pour donner la parole à ceux qui l'ont pas, c'est pas très classe quand même. Ouais. Non, t'as raison. C'était une mauvaise idée. Ok, faut qu'on y aille. Envie de pleurer en découvrant les messages de Karim. Tu es mort, Karim. Arthur Rimbaud me faisait rire. C'est vraiment très con. La bête immonde n'est pas morte. Et les messages de Karim D sont un dommage. Ton livre était si beau. Mais là, c'est plus possible. Combien de followers pour ces horreurs? Une bête est méchante, ne supporte pas la médiocrité. Très bien. Ne lâche rien, Karim. Je suis ménage. Si c'est pas ta situation. Karim D est dans le vivre en Algérie, c'est tout ce que tu mérites. Erreur de jeunesse, et la boîte qui va croire ça. Danger.